les Kimbanguistes qui déclarent que le 25 mai, c'est la date à laquelle Jésus de Nazareth était né, que l'église morave, qui est aussi membre du conseil œcuménique, ait publié en 1993 que le 25 mai, c'est le jour de la nativité de Christ. Ces églises ne sont pas dans le faux, vous comprenez? Ça concerne toute l'humanité. Voilà. Le Christ que vous êtes venu célébrer, c'est celui de l'histoire ou bien de la foi? Voilà. Ce sont les Juifs qui pensent que Christ, pour eux, c'est l'enfant de Marie et Joseph, qu'on ne doit pas le prendre, le consommer dans la foi. Mais nous, chrétiens, nous consommons Christ dans ces deux dimensions. Tout chrétien sait que Christ était né. Il a un père, il a une maman, il avait un environnement. C'est ça, Christ de l'histoire. Mais nous l'appelons Dieu le Fils. C'est ça, Christ de la foi. Donc nous prions ou nous célébrons Christ qui est à la fois un Christ de l'histoire et Christ de la foi en tant que Fils de Dieu, Dieu. Croyez-vous à la seconde venue? La seconde venue du Christ, nous croyons fermement à ça. Parce que, voilà, Christ, quand nous avons Jean dans l'île de Patmos, Jean voit, on lui annonce que Christ reviendra, mais cette fois-là avec un nouveau nom, c'est à travers la nouvelle Jérusalem. S'il y a une nouvelle Jérusalem, c'est qu'il y avait une ancienne. Si l'ancienne Jérusalem est en Asie, or Christ a dit que les royaumes de ceux devraient quitter l'Asie pour un autre. C'est-à-dire, les royaumes ont quitté l'Asie pour l'Afrique. Et quand ça quitte l'Asie pour l'Afrique, il faut positionner maintenant la nouvelle Jérusalem. C'est comme ça que Jean l'a vu dans Apocalypse 21, 15 à 16. 2200 km, c'est 2200 km ou 4 840 000 km². Or, il y a aussi Ézéchiel qui avait vu dans Ézéchiel 47 de 1 à 10 où on trouve maintenant qu'on doit trouver un temple tourné vers l'est et que si vous marchez du dehors jusqu'au milieu du temple et que vous descendiez à 1000 coudées, à environ 500 mètres, vous devez trouver de l'eau bénite et que cette eau-là par ramassage doit se jeter dans l'océan là où capture de gros poissons. Donc quand nous prenons Jean et nous prenons Ézéchiel, automatiquement ça se regroupe que c'est en Afrique et qu'en Cambas est la cité sainte de la Nouvelle Jérusalem. Ce que l'humanité nous reproche, c'est dit qu'en Cambas c'est la Nouvelle Jérusalem. Parce que la Nouvelle Jérusalem est plus grande qu'en Cambas. Mais en Cambas est la cité sainte de la Nouvelle Jérusalem. C'est ça la configuration. Et quand les gens meurent, ils vont directement au Cambas, c'est ça? Mais c'est ça. C'est-à-dire. C'est ça, le Cambas, c'est le paradis. Mais je vous dis. D'ailleurs. Quand tu dis Nkamba, c'est le paradis. Allez même voir Ézéchiel 36, verset 33-36. Dieu va maintenant rebâtir le jardin d'Éden. Vous connaissez le jardin d'Éden que Dieu va rebâtir? C'est la RDC parce qu'on dit, c'est le pays qui est pillé de faute en comble, qui est détruit de faute en comble, qui est déserté. Dieu veut rebâtir ça. C'est comme ça que toutes les puissances du monde convergent vers la RDC. Donc, dire que la RDC c'est le paradis et qu'un Nkamba, tout ça, c'est la même chose. C'est chaque level 5 que vous allez commencer toujours à marcher, c'est, ça date déjà. Ça, c'est pour que l'humanité tout entière puisse se réveiller, que tout le monde adhère. On peut ne pas marcher, mais à l'heure qu'il est d'abord, il faut le faire pour que l'humanité tout entière adhère, comprenne que c'est la naissance de Jésus de Nazareth. Très bien. Mais parlons un peu de la venue du Christ. Sur la venue du Christ, c'est lui-même, le papa de l'humanité qui reviendra. Et la Bible dit, tout le verra. Donc tout le monde verra celui-là, le papa de l'humanité. Et il viendra au nom de papa de l'humanité, c'est ça? Je vous dis, le mystère de Dieu est très complexe. Je vous dis, le ministère de Dieu est très complexe. Et d'ailleurs, vous êtes conscient que sur la planète Terre, à la une, c'est le Congo. Le Congo, c'est un pays qui a la une parce que Esaü a vu que la bénédiction de l'humanité doit partir de l'Afrique, partant même de son centre. Donc, tout le monde spirituel comprend que nous sommes à la phase de l'élévation de notre Congo.
Voilà. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas pour rien que nous avons même un chef de l'État qui ne se gêne pas de rouler dans un avion où il écrit Simon Kimbangu. C'est-à-dire qu'il a compris que l'humanité aujourd'hui doit savoir qu'avec Kimbangu, le Congo est prêt à décoller. Or, le Congo va décoller avec toute l'Afrique. Un petit message à tous ceux qui ne croient pas jusqu'aujourd'hui. Moi, je dis à tous les scientifiques, à tous les religieux, à tous les politiciens du monde, rendez-vous à la Bibliothèque nationale du Congo. Allez à la bibliothèque de l'ESP Gombe. Allez au CEPAS. Allez à l'Institut national des archives du Congo. Recherchez les manuels scientifiques, le voyage de Joseph Danguenda Kuntima et du pape Jean-Paul II en Banza-Congo. Et vous allez comprendre que ce que je dis ici, ça se retrouve dans ces manuels scientifiques, dont aujourd'hui est en étude à Genève, pardon, à Paris, à l'UNESCO, parce que j'ai demandé la journée internationale Simon Kimbangu. Le dossier a été examiné, il est maintenant au niveau de tout ça. Au niveau du ministère, j'ai demandé au ministre, fonctionnaire, je ne saurais pas me déplacer, qu'on les place au-dessus de Simon Kimbangu. Et j'ai demandé que l'UNESCO n'ait pas honte, que l'UNESCO corrige cette erreur-là et que Kimbangu soit reconnu comme le plus président du monde et qu'on lui octroie une journée internationale à Simon Kimbangu. À cet âge, faut-il renaître de nouveau et rentrer encore dans le sein de ma mère? Il dit non. C'est-à-dire renaître. Celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né de l'esprit, celui qui suit les recommandations données par Papa Mfumambaza que nous fêtons aujourd'hui, il reste un homme spirituel. C'est dans ce sens-là que j'ai abondé les livres de Jean, chapitre 3, verset 1 à 12. Qu'il y ait renaissance à tout fidèle. Là où, partout où l'on se trouve, il faut renaître de nouveau. Renaître de nouveau, c'est-à-dire quoi? Suivre les recommandations que nous a laissées Papa Diallo Ngala, qui est né le 25 mai
1916. C'est en quelque sorte pour toi. Mon message. Alors, un message pour les fidèles qui nous devons mettre en pratique et suivre ce qu'il nous a, ce qu'il nous a laissé comme recommandation. Surtout l'amour du prochain. C'est ça son message à toi. Nous devons nous aimer les uns les autres. C'est ça le message à toi. Merci, je vous remercie. Thank you.